Chers frères et sœurs, et la paix soit avec vous. Hier, nous fêtions l'ascension de notre Seigneur. Après que Jésus fut monté vers le Père, les anges invitaient les apôtres à ne pas rester là à regarder vers le ciel. C'est un rappel pour nous qu'il nous faut travailler au jour le jour à l'avènement du royaume des cieux dans les cœurs et à l'amélioration des conditions de vie pour tous, surtout pour tant de nos frères et sœurs qui subissent l'injustice et l'indifférence. Viens, Esprit Saint, et donne-nous la force pour que nous puissions accomplir tout ce qui plaît au Seigneur, en nous mettant au service de tous nos frères et sœurs, au service des plus pauvres de son peuple. Chers amis, que la sainte volonté de Dieu, qui est notre sanctification, s'accomplisse en chacun de nous. Bonne prière. Nous envoie son esprit.
tous les peuples battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tout. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu monte parmi l'acclamation. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »
suis le pain vivant et spirituel. Remonte auprès du Père qui l'avait envoyé. En son corps, nous avons connu le mystère de Dieu. Il monte aux cieux comme une offrande. Avec confiance, présentons notre prière au Christ élevé dans la gloire de Dieu. Nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, notre frère et notre Seigneur, rétablis en nous la dignité de fils et de fille de Dieu. Seigneur, exauce-nous. Jésus, tu as promis d'attirer à toi tous les hommes, qu'avec toi nos communautés chrétiennes témoignent de Dieu, de son amour qui veut nous réunir dans une communion éternelle. Seigneur, exauce-nous. Jésus, tu nous as dit que tu montais vers le Père, mais que nous te reverrons parce que tu vis et que nous vivons aussi. Fais-nous connaître avec profondeur que tu es dans le Père et que nous sommes en toi et toi en nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, tu nous as promis que la tristesse de ton départ se chargerait en joie par ta présence au milieu de nous. Donne-nous cette joie que rien ne peut nous ôter. Seigneur, exauce-nous. Jésus, tu nous as promis de nous envoyer ton esprit qui te rendra témoignage. Que ton esprit nous aide à témoigner de toi. Seigneur, exauce-nous. Jésus, tu nous as dit que tu nous laissais ta paix. Que cette paix soit en nous force d'unité, car ton amour a vaincu toutes les forces de désunion. Seigneur, exauce-nous. Jésus, tu es la vérité et la vie. Tu es le chemin qui mène au Père. Donne-nous de mieux te connaître pour mieux connaître Dieu. Seigneur, exauce-nous.
Maintenant, faisons nos intentions personnelles, demandant à l'Esprit Saint qu'il habite notre cœur et qu'il agisse avec force en chacun de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et que notre Seigneur, plein d'amour et de miséricorde, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. La paix à tout pécheur, ô Vierge pure.